Nous allons maintenant passer aux questions orales. Je reconnais la chef de sa loyale opposition de Sa Majesté. Merci, M. le Président. J'aimerais vous souhaiter une joyeuse Halloween et j'espère que les enfants aient une bonne soirée, une soirée en sécurité également. Ma première question s'adresse au premier ministre provincial. Avec les changements qu'il fait à la loi sur les normes du travail, les gens vont perdre une journée payée s'ils sont malades. Les gens devront obtenir un certificat médical qui doit être payé. Est-ce qu'il est juste de devoir payer juste pour avoir un congé de maladie au premier ministre? À la ministre du Travail, merci, M. le Président, et merci à la députée d'en face pour sa question. Pour la première fois en Ontario, les travailleurs seront protégés avec 8 journées protégées de congé de maladie chaque année. Chaque travailleur dans la province de l'Ontario. Monsieur le Président, ces entreprises travaillent très bien avec les employés, veulent avoir des bons employés. Nous voulons qu'ils aient de bons employés et nous voulons de bons employeurs, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle nous sommes propices aux affaires. Monsieur le Président, la province de l'Ontario, sous le leadership du premier ministre Doug Ford, a dit que l'Ontario est propice aux affaires. Les entreprises auront la confiance de venir en Ontario et d'offrir des emplois bien payés en Ontario. C'est la meilleure chose qu'on peut offrir aux travailleurs. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. La ministre du Travail a confirmé 8 journées payées pour les travailleurs. Ce serait un changement que les travailleurs souhaitent, mais les médecins dans cette province soulèvent des préoccupations. Le chef de l'association médicale, et je le cite, « avec des temps d'attente et la médecine du couloir, les gens doivent pouvoir guérir chez eux pour se guérir de maladies mineures. Pourquoi est-ce que ce parti ignore les conseils de professionnels de la santé? » À la ministre. Merci, M. le Président. Et je voulais dire 8 journées protégées non payées de congés. Monsieur le Président, nous voulons que l'Ontario soit propice aux affaires. Nous offrons aux travailleurs pour la première fois 3 jours de congés de maladie, 3 jours de responsabilité familiale et 2 jours de deuil pour chaque travailleur. Nous sommes alignés aux autres provinces au Canada. Monsieur le Président, les employeurs ont un choix. Et s'ils veulent une note médicale d'un praticien reconnu par la loi, la majorité des entreprises avec lesquelles nous faisons affaire veulent avoir une bonne relation avec les employés. Et l'opposition démonise. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Dernier complémentaire. La ministre du Travail vient de confirmer que son premier ministre s'intéresse plus aux mauvaises entreprises plutôt que d'offrir des journées de maladie payées à ces travailleurs malades. Dans d'autres compétences, les propriétaires d'entreprises célèbrent si un seul serveur malade peut rendre une centaine de personnes malades. Ces personnes touchent les ustensiles, les verres, les assiettes. Toutes les entreprises qui ont payé, dans toutes les entreprises qui payent des journées de congés de maladie, les employés ne s'en servent que de la moitié. Est-ce que vous pensez que c'est mauvais pour les bonnes, c'est bon pour les bonnes entreprises ou pour les mauvaises? À la ministre. Monsieur le Président, la majorité des entreprises, encore une fois, ne veulent pas que les travailleurs rentrent malades. Ils vont travailler avec les employés. Observez la situation. Ce sont 8 journées non payées
semblablement à ce qui se passe dans toutes les provinces du Canada. C'était un désastre pour les entreprises. Les entreprises ne pouvaient pas garder leurs employés. Propice aux affaires est notre devise. Nous allons offrir des emplois bien payés, de meilleurs programmes pour les employés et de meilleurs avantages sociaux. C'est ce que nous voulons accomplir en Ontario, Monsieur le Président, et c'est ce que nous allons accomplir, car l'Ontario propice ses affaires. Order. À l'ordre. Le leader parlementaire à l'ordre. Le ministre de l'Éducation à l'ordre. Repartez le chronomètre. Chef de l'opposition, ma prochaine question s'adresse au premier ministre, mais je ne sais pas comment ce gouvernement peut justifier aggraver la situation pour les travailleurs. Ce n'est pas logique du tout. Pour certaines personnes, le coût d'une journée de maladie, c'est quelque chose dont ils ne peuvent pas se permettre. L'année dernière, un médecin m'a parlé d'un de ses patients. Marathon est à 3 heures de Thunder Bay et la majorité des services médicaux ne sont disponibles que du lundi au vendredi. Quelqu'un qui a besoin d'une scanographie a besoin de 2 jours de congé pour obtenir des soins qui épargnent leur vie. Cette patiente n'a pas eu cette procédure. Ce patient n'a pas pu obtenir cette procédure car il ne pouvait pas se permettre de quitter le travail 2 jours. Pensez-vous que c'est ce que méritent les Ontariens? À la ministre du Travail. Eh bien, Monsieur le Président, intervention du Président. Député d'Essex, rappel à l'ordre. Arrêtez. Le ministre des Finances, à l'ordre. Député d'Essex, à l'ordre. Député de Niagara-West, à l'ordre. Député de Essex, à l'ordre. Député d'Essex, un avertissement. Le député d'Essex, un avertissement. Où en étions-nous? Où en étions-nous? La ministre du Travail va répondre. Repartez le chronomètre. Merci, Monsieur le Président. Avec le gouvernement, avec le projet de loi 148 des libéraux, il y a eu des répercussions catastrophiques sur la perte des emplois. Le 1er janvier, où le projet de loi a été mis en œuvre, plus de 50 000 emplois ont été perdus. En août, plus de 80 000 emplois ont été perdus. La majorité de ces emplois étaient des emplois à temps partiel et des jeunes. Comment est-ce que vous avez aidé les jeunes, les Ontariens? Ils ont perdu leurs emplois. Le projet de loi 47 redonne la confiance aux entreprises dans la création d'emplois, c'est-à-dire d'investir et de créer de meilleurs emplois pour l'avenir. C'est ce que notre gouvernement pour la population accomplit. Nous sommes propices aux affaires. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, peu importe la rhétorique de cette ministre du Travail qui n'est pas appuyée par des faits, les parents qui travaillent ne doivent pas choisir entre une journée de paye et rester à la maison avec des enfants malades. Les preuves sont accablantes. Des journées de congés payés offrent un peu de protection financière lorsque les gens tombent malades.
et c'est la bonne chose à faire. C'est la chose responsable à faire pour les travailleurs. De plus, on protège les entreprises qui n'ont pas besoin d'employés malades. Pourquoi est-ce que les travailleurs ontariens doivent choisir entre être payés et entre guérir? À la ministre. Monsieur le Président, je ne sais pas pourquoi l'opposition est contre de meilleures occasions pour les Ontariens. Qu'ont-ils contre des meilleures occasions de travail? Qu'avez-vous contre cela? Que peut-on faire pour les entreprises afin de créer des meilleures occasions d'emploi? C'est d'éliminer la bureaucratie et les règlements. Et on leur offre un milieu de travail sécuritaire et protégé. L'Ontario propice aux affaires, c'est ce que nous sommes. Et nous allons offrir plus d'occasions aux Ontariens. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Dernière complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ce qui nous embête, c'est d'avoir un gouvernement qui a un mauvais esprit et qui ne connaît pas la situation. Les travailleurs dans la province ne demandent pas grand-chose, mais de perdre une journée de congé de maladie payée et d'avoir à payer pour un certificat médical simplement pour guérir à la maison n'est pas un choix juste. Et pour certaines personnes, ces gens n'ont aucun choix. Pourquoi est-ce que les travailleurs de l'Ontario doivent choisir entre être payés et entre guérir à la maison? À la ministre. Monsieur le Président, je ne sais pas ce qu'il y a de mal contre la dignité de redonner un emploi aux Ontariens. Je ne vois pas comment cela manque de compassion. Vous, pendant des années, vous avez appuyé le gouvernement libéral. Vous avez rendu la vie inabordable. Vous avez aggravé la vie des Ontariens en appuyant les libéraux et en rendant la province de l'Ontario inabordable. Intervention du président. De faire leurs commentaires par la présidence. Ce doit être un débat ici. Il faut faire nos commentaires par la présidence. Je rappelle aux députés qu'il nous reste encore beaucoup de temps. Ça ne fait que 12 minutes qu'on a la période des questions. Et j'aimerais aussi rappeler aux députés que plusieurs personnes nous regardent et se forment une opinion sur le fait que ce débat puisse se tenir dans le respect. Nos concitoyens nous regardent. Redémarrer la pendule. Prochaine question. La chef de l'opposition. Merci. Prochaine question à au premier ministre. Chaque jour, les inquiétudes concernant les changements aux normes du travail se font entendre de plus en plus fort. Les médecins s'inquiètent du fait que les gens perdront une journée de travail pour avoir une note du médecin, qu'une mère célibataire ne verra pas une augmentation de salaire. Est-ce que le premier ministre va écouter les inquiétudes de tout un chacun avant de foncer dans le tas avec son projet de loi? Le premier ministre, Monsieur le Président, la chef de l'opposition, nous avons consulté les syndicats, les entreprises, les travailleurs des premières lignes. Les entreprises veulent être profitables, réinvestir dans leurs employés, dans l'équipement
Et lorsqu'on leur parle, je parle aux employés, ce qu'ils veulent, c'est un emploi sécuritaire. C'est un emploi sécurisé aussi. Ils veulent savoir qu'ils auront un chèque. Au contraire de la chef de l'opposition, la chef de l'opposition n'a jamais créé un emploi dans sa vie. La chef de l'opposition, tout ce qu'elle sait faire, c'est dépenser, 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 imposer, imposer, imposer. Intervention du président à l'ordre. Redémarrer la pendule complémentaire. Des milliers d'Ontariens seront affectés durement par les changements proposés par le gouvernement. Les travailleurs temporaires seront probablement affectés de façon la plus importante. Après une enquête du ministère du Travail à Verafood, un employé est décédé sur ce lieu de travail. L'enquête pourrait avoir beaucoup à nous raconter sur l'impact des changements aux normes du travail. Donc, plutôt que de faire avancer de façon rapide ce projet de loi, je demande encore une fois au premier ministre, est-ce qu'il va attendre les résultats de cette enquête pour avoir des audiences publiques robustes avant que ce projet de loi devienne loi? Le premier ministre, j'ai mentionné hier que je crois que c'est déplorable qu'une famille soit là et que les chefs de l'opposition veulent créer de la politique avec ce sujet. Elle sait que les inspections ne sont pas liées à la santé et sécurité, mais vous voulez les combiner. Vous voulez que tout ça se soit lié alors que les familles sont dans le deuil présentement. Pourquoi ne pas avoir un peu de compassion plutôt que d'essayer d'utiliser ces événements pour de la politique après la mort d'un être cher? Nous voulons nous assurer que cette famille, que l'on s'occupe de cette famille, s'assurer qu'il ne soit pas aux nouvelles encore et encore, c'est dégoûtant. Le président. J'encourage les députés à faire leurs commentaires par la présidence et je fais attention. J'aimerais demander aux députés de faire attention lorsqu'ils utilisent un vocabulaire qui ne fait que hausser le ton ici. Nouvelle question. Ma question est pour la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Notre gouvernement a promis à la population de cette province que l'Ontario sera ouvert aux affaires. Monsieur le Président, nous connaissons l'importance de l'industrie, de la publication de livres numériques, de films, des médias numériques. Nous savons que ça aide à faire croître le secteur culturel de l'Ontario, qui contribue 25 milliards de dollars annuellement à l'économie provinciale et appuie 270 000 emplois. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut mettre à jour la Chambre sur la façon dont notre gouvernement appuie ce moteur économique clé? La ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci aux députés de cette Chambre qui ont été en mesure de se joindre à nous ce matin, qui a été donné par Film Ontario. Merci parce que c'est important de rappeler l'importance de l'industrie du film dans l'Ontario. Ce n'est pas un bonbon, mais c'est certain. Ce n'est pas un sort, mais c'est certainement un bonbon d'avoir cette industrie. C'est une entreprise qui appuie 54 000 emplois bien payés. C'est une nouvelle qu'il faut célébrer. Et il faut souligner que maintenant, les industries savent que nous sommes ouverts aux affaires. C'est vraiment un motto, un slogan de notre gouvernement, au contraire du gouvernement libéral précédent, qui prétendait être ouvert, mais ne faisait que jeter l'incertitude dans l'industrie. Complémentaire.
Monsieur le Président, par la présidence, à la ministre, je remercie la ministre de sa réponse. Je suis heureuse de savoir que notre gouvernement est impliqué au sein des industries afin de créer une industrie forte, une économie forte dans notre province. Il est important d'avoir assez de capacité de studio en Ontario afin de répondre à la demande de l'industrie. Toutefois, l'industrie du film rapporte que l'espace de studio est à pleine capacité, ce qui a comme résultat de perdre 100 millions de dollars en investissement potentiel en raison de manque d'espace de studio. Est-ce que la ministre peut élaborer sur la façon dont on engage les acteurs du milieu pour s'attaquer à leurs inquiétudes? La ministre. Merci à la députée de Mississauga-Streetsville. Elle comprend certainement mieux que la majorité la situation, parce qu'il y a ici une annonce qui a eu un impact sur la collectivité de Mississauga, Markham et Ottawa. Et franchement, ça parle de la confiance qu'a cette industrie en l'Ontario, que cette industrie comprend ce gouvernement, que ce gouvernement les accueille, que ce gouvernement veut voir plus de production de films en Ontario, et nous voulons nous assurer que cette confiance soit présente et nous continuerons à appuyer l'expansion de cette industrie en Ontario. Merci. Député d'Essex. Merci au premier ministre. Hier, le premier ministre semblait être écrasé par une question plutôt simple. Combien d'argent de la population est-ce qu'il dépenserait pour ces panneaux de vanité à l'échelle de la province? On a réalisé qu'il n'avait absolument aucune idée. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre pourrait nous dire s'il est au courant? Le premier ministre. Monsieur le Président, c'est l'un des meilleurs investissements que l'on puisse faire, de publiciser au monde que l'Ontario est ouvert aux affaires. On ne parle pas ici de l'imposition, qu'on parle plus simplement de l'augmentation du fardeau administratif. Nous avons la publicité pour dire aux États-Unis, avec qui nous avons 489 milliards de dollars en investissement, que nous sommes maintenant ouverts aux affaires, que nous allons créer de nouveaux emplois bien payants. Voilà ce que l'on fait à un prix très, très raisonnable. Complémentaire. Monsieur le Président, c'est choquant. Le Premier ministre ne peut même pas nous donner de réponse. Est-ce qu'il va nous dire que le Mexique va payer pour ce panneau? Les gens qui nous ont envoyés ici nous ont envoyés pour gérer leur argent avec soin. Mais le premier ministre semble incapable de nous dire combien de l'argent des contribuables est-ce qu'il dépend. La première question que l'on pose avant de faire un achat, c'est combien ça va me coûter? Mais peut-être que le premier ministre s'en fout parce que ce n'est pas son argent. Nous savons que le premier ministre n'a pas de problème à payer quelqu'un 350 000 $ pour s'asseoir à un bureau à Washington, mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le coût est plus élevé que 350 000 $ ou moins? Donnez-nous un estimé ici. N'importe quoi, s'il vous plaît. Le premier ministre. Monsieur le Président, je comprends que le député d'Essex veut avoir le prix et nous le dévoilerons lorsque les panneaux seront installés. Mais c'est bien de faire de la publicité pour cette province. Nous allons au-delà des frontières alors que les gens traversent la frontière. C'est une tactique d'affaires 101 de base, mais le député de l'autre côté n'a absolument aucune idée. Intervention du président. Je ne pouvais même pas entendre le premier ministre à travers les applaudissements. À l'ordre. À l'ordre. Prochaine question. Député de Simcoe Nord. Merci, Monsieur le Président. À la ministre de la Formation des collèges et universités, je
Il y a beaucoup de personnes qui cherchent du travail dans ma circonscription qui s'inquiètent de l'écart des emplois dans les métiers spécialisés. Après 15 ans de gouvernement libéral appuyé par les néo-démocrates, les gens n'ont pas les habiletés nécessaires et les entreprises ne peuvent être concurrentielles. C'est tout particulièrement vrai dans les métiers spécialisés où les employeurs et les jeunes ont de la difficulté à devenir apprentis dans leur métier choisi. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour nous assurer qu'il y a assez de métiers spécialisés en Ontario et que les jeunes puissent avoir l'emploi qu'ils ont choisi? La ministre de la Formation des collèges et universités. Merci, je remercie la députée de sa question et sa grande défense de ses concitoyens. Notre gouvernement a promis à la population de l'Ontario de créer de nouveaux emplois et de faire en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires. En tant que ministre, je me concentre sur le fait qu'il faut s'assurer que les Ontariens aient les habiletés nécessaires afin de pouvoir combler les emplois de demain et avoir une carrière pour les années à venir. Je suis fière de notre gouvernement qui a déposé une loi qui, si elle est adoptée, normalisera les ratios des métiers spécialisés en Ontario. Nos employeurs ont dit que ça créerait de bons emplois de qualité pour la population ontarienne. Ken Bassling de Bassling Mechanical dit, et je cite, « Ces changements au ratio d'apprentis en Ontario permettra à notre entreprise de commencer à recruter immédiatement et à engager plus de jeunes. Ces changements permettront à créer des possibilités d'emploi à l'échelle du sud-ouest de l'Ontario. » Intervention du président. Complémentaire. Merci, Madame la ministre, pour votre gros travail et de vous assurer que l'Ontario soit ouvert aux affaires et que l'on s'attaque à l'écart entre les métiers spécialisés et la main-d'œuvre. Je suis encouragée par l'amélioration du ratio. Un organisme a souligné que 3 % des employeurs en électricité pourrait avoir plus de postes pour les apprentis. Notre premier ministre a promis à la population ontarienne de combler l'écart en augmentant l'accès aux apprentissages. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur la façon dont les ratios normalisés rapportera des emplois en Ontario? La ministre, l'Ontario a parmi les ratios les plus contraignants du Canada. Un nouveau ratio diminuera l'impact sur les ratios et sur l'économie et fera en sorte qu'il est plus facile pour les employeurs et les employés d'entrer dans le système. De s'attaquer à cette question est essentiel pour ouvrir l'Ontario aux affaires. Notre gouvernement écoute les employeurs qui nous disent qu'ils appuient notre plan. Jen Fortuna, qui est vice-présidente d'une entreprise, dit, et je cite, le manque de main-d'œuvre est l'un des plus grands problèmes auxquels fait face notre entreprise et de diminuer les ratios nous aidera à engager et à maintenir les jeunes apprentis afin qu'ils développent les habiletés nécessaires. C'est quelque chose qui est appuyé aussi par le gouvernement, par les employeurs et les employés. Nous avons promis de faire en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Intervention du président, député de York Centre, vous êtes averti. Arrêtez la pendule, à l'ordre. Redémarrez la pendule, prochaine question. Prochaine question. Député de Brampton North. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, il y a un rapport médiatique aujourd'hui qui révèle que le ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels ainsi que son cabinet d'avocats ont été impliqués dans différentes poursuites qui impliquent des allégations de mauvaise conduite, de faute professionnelle au cours de des différentes décennies. Intervention du président. Je ne crois pas que cette question s'applique aux politiques gouvernementales. Prochaine question. Prochaine question. Député de Don Valley West.
Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, et désolé, j'ai manqué l'échange ici. Hier, j'ai eu la possibilité d'aller à un événement et le député de Beaches East York, le député de Kiwetinung et peut-être d'autres qui étaient présents. C'est une série qui a été donnée par Tenny Tillaga, qui est journaliste, auteur, femme autochtone, qui a jeté la lumière sur la crise des suicides chez les jeunes dans les communautés du autochtone. Vous savez, je suis à cette Assemblée depuis les années 90. J'ai commencé dans les tribunes et dans chaque siège où j'ai pu m'asseoir, j'ai vu l'augmentation de la dureté du débat ici. Il y a de plus en plus de polarisation, de partisanerie, et ça affecte la réconciliation. Ma première question est vraiment de simplement demander au Premier ministre s'il va accepter ce cadeau de deux livres de Tania que je lui ai acheté, qui ont été écrits pour elle. J'aimerais le lui envoyer au Premier ministre avec Aliaha. Je ne peux pas accepter les cadeaux et je vais l'envoyer au ministre des Services communautaires. La ministre des Services à l'enfance, des Services sociaux et communautaires. Je remercie la députée de sa question. J'ai parlé avec Tania Tele, qui était ici à Queen's Park, sur le travail que l'on fait, tout particulièrement pour les enfants. Ce qui s'est produit à Thunder Bay était une tragédie. Nous acceptons le rapport du coroner. Entre 2014 et 2015 et 2017, nous avons perdu plusieurs enfants dans les soins de la province. Je n'étais pas ministre à l'époque, mais c'est quand même ma responsabilité. Et nous devons nous assurer que ces enfants qui sont dans les maisons de groupe, qui ont été financés par mon ministère, doivent avoir tous les services nécessaires. J'ai été déçue d'apprendre que plusieurs de ces jeunes filles qui se sont enlevées la vie sous la tutelle du gouvernement entre 2014 et 2017, et nous mettons en place les mesures nécessaires avec le ministère des Affaires autochtones afin que les soutiens nécessaires soient en place. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je crois que le Premier ministre va trouver que les cadeaux qu'il a la capacité d'accepter ces cadeaux. Recommandation de la Commission de vérité et de réconciliation était exhaustive et j'apprécie les commentaires de la ministre en ce qui concerne ce qui s'est produit à Thunder Bay, mais il y avait plus de 92 recommandations, à savoir 92 recommandations de la Commission de la vérité et réconciliation, à savoir comment on peut aller de l'avant, de permettre à ce que toute personne, et particulièrement les jeunes, d'être sur un pied d'égalité. L'éducation est au fondement de ces recommandations. Je voudrais que nous puissions trouver une façon ensemble d'aller de l'avant. Il y a beaucoup de connaissances ici et en comité, et même si c'était possible d'avoir des séances formelles et informelles avec tous les députés ici dans la Chambre, d'apporter toutes nos connaissances et sans que ce soit des gestes formels, on pourrait agir, on pourrait émettre une excuse en particulier. Ce que je sais, qu'il n'y a pas de solution facile et qu'on doit tous jouer un rôle. Ma question au Premier ministre et à la ministre, est-ce qu'il va nous permettre d'aider? Ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président, et je reconnais la question, ainsi que les liens de cette députée en tant que jeune femme par le passé avec cette situation, et moi-même, en vivant dans des collectivités des peuples autochtones dans le cercle de l'Arctique, j'ai beaucoup beaucoup de mes amis sont dans ces différentes régions du pays, donc je prends cette occasion très sérieusement. J'ai eu la
chance de réfléchir les 15 dernières années, je vois encore une situation dans le Nord qui est inacceptable, des taux de suicide, taux de chômage très élevés, manque d'occasions économiques qui restent sur les épaules de l'ancien gouvernement. Nous allons nous engager à fournir des occasions économiques pour des jeunes, des peuples autochtones qui veulent contribuer et mener dans leur collectivité. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. Après 15 ans de mauvaise gestion du gouvernement libéral, les résultats des tests en éducation ont démontré que la moitié des étudiants de la sixième année accusent un retard. On est moins concurrentiel dans le domaine des sciences, des technologies et des mathématiques. Et les enseignants qui avaient été accusés d'agression ont pu rester en poste et ça a entraîné beaucoup de confusion pour les familles. Comment est-ce que notre gouvernement pour la population tente de réparer les dommages envers notre système d'éducation par l'ancien gouvernement libéral? Ministre de l'Éducation, merci de cette question. Et de la députée de Burlington, c'est très bien de vous avoir parmi nous, de vous avoir parmi nous pour plusieurs raisons. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que je suis ravi d'informer les Ontariens au sujet du travail de notre gouvernement pour revitaliser le système d'éducation pour les étudiants et les parents partout dans la province lorsqu'il s'agit des mathématiques. Nous allons nous concentrer sur revenir à la base. Nous allons nous assurer que les enseignants sont appuyés et qu'ils ont tous les outils nécessaires pour enseigner les mathématiques. Les parents auront aussi la confiance que leurs enfants apprennent les bases et ce que les employeurs cherchent de la part de nouveaux embauchés. Nous allons aussi nous assurer que les enfants restent en sécurité contre des individus qui ont exploité certaines lacunes dans le système. En tant que des animaux de service, nous savons à quel point ils sont essentiels et nous appuyons les familles pour que nous puissions corriger la situation. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci à la ministre de sa réponse. Je suis ravi d'entendre que le système d'éducation est retourné entre les mains des Ontariens. Et je suis ravi que mes commentateurs aussi accueilleront ces nouvelles. Cette annonce est ce qui sous-tend cette annonce, ce sont de très bonnes idées. Je suis sûr que la ministre a aussi d'autres bonnes idées. J'ai entendu plusieurs opinions à savoir comment nous pouvons améliorer le système d'éducation, que les parents, les enseignants et les directeurs ont tous des opinions à savoir comment on peut rétablir la confiance dans notre système d'éducation. Monsieur le Président, est-ce que la ministre pourrait nous donner plus d'informations, à savoir quel est le processus pour partager leurs opinions directement avec le gouvernement? Au ministre, merci, Monsieur le Président. Je suis toujours ravi de pouvoir aborder la consultation extraordinaire que nous facilitons. Et je voudrais encourager tout le monde en Ontario et tous les députés dans cette chambre aussi de participer, d'aller à www.pourlesparents.ca. Et de commencer et de partager vos commentaires. On voulait en entendre parler en ce qui concerne la santé mentale, l'éducation physique et mentale, la légalisation du cannabis et comment améliorer le rendement des étudiants dans les différents domaines des mathématiques, des sciences et de la technologie. Ce sont des compétences qui sont manquantes après une mauvaise gestion de la part de l'ancien gouvernement libéral pendant les 15 dernières années et aussi savoir comment réduire les distractions en salle de classe, telles que les téléphones cellulaires. Nous allons étudier toutes les réponses de la part de tous les Ontariens et nous allons pouvoir remplir notre engagement envers les Ontariens de créer le meilleur environnement dans lequel les étudiants peuvent s'épanouir. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, député de Témiscamingue-Cochrane. Ma question est au premier ministre. Vendredi dernier, il y avait eu des documents qui ont été demandés par le comité
et on leur a fourni, c'est l'équivalent d'un million de pages. Lundi, il y a eu une demande et due au fait que c'était des documents sensibles du côté économique, qu'on ne les rend pas publics. Et c'est logique du côté des entreprises de cette perspective. Nous l'avons soulevé lors du comité. J'étais complètement étonné que les députés au sein du comité l'ont imposé et de devoir dévoiler un million de pages de documents au public. Monsieur le Premier ministre, pourquoi est-ce que vous avez ordonné les députés sur le comité de le faire parce que cela ne faisait pas partie de l'éthique des entreprises? Je voudrais rappeler aux députés de vous adresser au président, ministre des services gouvernementaux. Comme on le sait tous, le comité permanent, le comité spécial se penche sur les erreurs qui ont été faites et les mauvaises décisions qui ont été prises durant les 15 dernières années par l'ancien gouvernement libéral lorsqu'il s'agit de jouer avec les finances de l'Ontario et de ne pas s'assurer que les chiffres qui ont été acceptés ou signés par les la VG ou la BRF ne reflétait pas les comptes de la province. C'est pour cette raison que c'était si important de mettre en œuvre ce comité spécial pour revenir aux raisons de ces décisions qui ont été prises par l'ancien gouvernement libéral. Nous avons un déficit de 15 milliards de dollars maintenant et les chiffres qui nous ont été donnés par l'ancien gouvernement n'ont pas été acceptés par la VG et la BRF. Elle a refusé de signer tous ces documents, la VG. C'est pour cette raison qu'on voulait avoir tous ces documents pour nous assurer qu'on puisse en arriver aux décisions, au fondement des décisions qui ont été prises par l'ancien gouvernement libéral. Complémentaire. Encore une fois, au premier ministre, on ne parle pas des erreurs qui ont été faites par l'ancien gouvernement, mais plutôt par les erreurs de ce gouvernement actuel. Donc, lundi, le gouvernement, qui prétend comprendre le domaine commercial, a demandé aux entreprises de dévoiler un million de documents qui pourraient être sensibles pour ces commerces et ces entreprises. Et c'est une lettre du CRA. Nous avons découvert que des informations sensibles du côté économique qui pourraient mettre en péril la relation très importante avec des participants du secteur électrique ont été divulgués au public par le comité, ont été imposés par vos députés au sein du comité pendant 24 heures. Vous avez dans des entreprises très concurrentielles. Moi, je suis un agriculteur, producteur laitier, et je comprends à quel point c'est déraisonnable de faire ainsi. Pourquoi est-ce que vous avez accepté que ce soit possible? Encore une fois, je vais demander aux députés de vous adresser à moi, ministre des services gouvernementaux, premièrement. Je voudrais premièrement dire que vous n'êtes pas juste un producteur laitier. Nous respectons tous les producteurs laitiers, qui comprend le député d'en face. On veut vraiment en arriver au fond de ce qui s'est produit sous l'ancien gouvernement et c'est pour cette raison qu'on a ordonné le nombre de documents, qu'on a ordonné un million de documents. Je peux comprendre pourquoi les néo-démocrates ne veulent pas qu'on mette en lumière ce qui s'est produit sous l'ancien gouvernement libéral et la raison pour laquelle ils ne veulent pas qu'on mette cela en lumière, c'est parce qu'ils ont été complicites de tout ce qui a été fait sous l'ancien gouvernement libéral. Et ils ne veulent pas mettre en lumière aucun de ces faits. Nous, on veut en arriver au fond de ce qui s'est produit et nous sommes engagés envers les Ontariens à le faire. Rappel à l'ordre. Nouvelle question. Député de Stormont, Dundas, South Glengarry. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Des Ontariens ont de la difficulté à payer leurs comptes. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas payer le système inefficace de plafonnement et d'échange. Et ils ne peuvent pas non plus se permettre de payer la taxe sur le carbone du premier ministre Justin Trudeau, mais comme étant, m'ont parlé à quel point ils ont de la difficulté avec les coûts qui continuent d'augmenter. Ils voient de plus en plus difficile de payer leurs comptes. Ils sont frustrés qu'on utilise les deniers publics qui financent des programmes qui n'entraînent aucun résultat.
Et le premier ministre a été très clair qu'il veut imposer une taxe sur le carbone sur nous, le premier ministre Trudeau. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'on peut faire pour lutter contre cette imposition? Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, merci au député de Stormont-Dundas-South Glengarry de sa question. Il a très raison. Les Ontariens ne peuvent pas se permettre de payer la taxe du carbone du premier ministre Justin Trudeau. Le BRF nous a dit à quel point ça va être coûteux. C'est pour cette raison qu'on va faire tout dans notre possible pour lutter contre cette taxe. C'est pour cette raison que le premier ministre s'est joint au premier ministre de la Saskatchewan pour savoir comment on pouvait lutter ensemble et aussi avec le chef de l'opposition officielle au gouvernement fédéral. Et c'est clair que ce n'est pas seulement des leaders conservateurs qui sont contre. À l'île du Prince-Édouard, le Parti libéral aussi est contre. Et les néo-démocrates en Alberta sont contre le plan de taxes sur le carbone. Je vais demander aux néo-démocrates, est-ce qu'ils vont être du côté du Parti néo-démocrate en Alberta? Est-ce qu'ils vont lutter contre la taxe sur le carbone? Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. C'est très clair, avec de plus en plus de soutien contre le programme de taxes de carbone et le fait que le premier ministre va redonner de l'argent aux contribuables est un aveu que c'est une erreur, ce programme. Et on va faire tout ce qui est nécessaire de lutter contre l'imposition de cette taxe sur le carbone en Ontario. Et il y a un gouvernement qui fait tout dans son possible pour rendre la vie plus abordable. Les Ontariens ont besoin d'avoir un gouvernement qui assure que leurs intérêts sont la priorité. Est-ce que le ministre pourra nous dire à quel point cette taxe sur le carbone va avoir un effet négatif sur les Ontariens? Au ministre. Je voudrais remercier le député de sa question. Cette taxe va augmenter les coûts pour les familles et pour les entreprises. Lorsque le premier ministre aborde la question des pollueurs et des gens qui font la navette, il parle de gens qui doivent prendre leur voiture pour les déplacements de leur famille, qui doivent aller au travail en voiture, et cela ne reflète pas la vie des Ontariens lorsqu'il dit qu'il y a des alternatives. Et le chef de l'opposition à Ottawa a demandé quels sont les coûts de la taxe sur le carbone. Ils n'ont pas eu de réponse. On a biffé certains des documents, on a enlevé les chiffres. Par contre, le BRF nous a dit que c'est 648 $ par famille d'ici 2022 et c'est seulement le début avec le gouvernement fédéral. Donc, je vais demander encore une fois à l'opposition, est-ce qu'ils vont être du côté des néo-démocrates en Alberta et d'être du côté des Ontariens, des Albertains et des Canadiennes et de lutter contre la taxe sur le carbone. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Député Davenport, merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation. La semaine dernière, le gouvernement a présenter une législation pour les mathématiques, pour les enseignants et leur accréditation. Par contre, les détails sont secrets. Nous savons maintenant que le financement pour permettre aux enseignants d'élever leurs compétences va être mis, on va y mettre fin sans aucune promesse de continuer ce programme. Comment est-ce que le gouvernement peut devoir imposer qu'il y ait une amélioration des compétences des enseignants sans financer un programme pour le permettre? À la ministre. Merci, M. le Président. Je voudrais suggérer à la députée de Davenport et au reste de son parti, et les néo-démocrates, ne faites pas de drame avec cela. Alors, ce qu'on met, c'est qu'on met en pause le programme parce que le fait est que les 15 dernières années, le gouvernement qu'ils ont appuyé nous ont mis dans une situation où on a une dette de 15 milliards de dollars, donc on doit mettre une pause sur le financement de différents programmes pour qu'on puisse vérifier et justifier le rendement sur l'investissement et les dollars que nous allons investir dans ce programme.
Nous en faisons beaucoup pour les enseignants. Durant la fin de semaine, il y a des gens qui sont venus voir une enseignante et elle a dit qu'elle aime bien le guide de ressources en mathématiques, d'aller à les mathématiques basées sur la découverte à... Intervention du président, veuillez arrêter la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais inviter la ministre d'avoir des réunions avec les enseignants et enseignantes avec lesquels j'ai eu des conversations qui sont très déçus des initiatives de la part de ce gouvernement et en particulier avec les mathématiques et de ne pas appuyer ce programme. Il y a eu 1500 demandes pour participer dans ce programme et ensuite d'imposer un test avant qu'ils ne puissent être accrédités, mais ensuite d'annuler un programme qui pourrait les aider à être compétents. Il semble que ce gouvernement est plus intéressé à jouer à la petite politique et non pas d'améliorer les résultats des étudiants. Nous savons que ce ne serait pas de nouvelles sommes qui seraient affectées à ce programme, c'est tout simplement continuer qui existait. Est-ce que la ministre mettra fin à cette pause sur ce programme et de permettre aux enseignants de réellement faire leur boulot, ce qui est d'enseigner à la ministre? Encore une fois, ne faites pas un drame là-dessus. Nous appuyons nos enseignants à cette... Nous permettons de leur donner 50 millions de dollars d'aller à les mathématiques fondées sur la découverte à retourner à la base des mathématiques. Et c'est pour cette raison qu'on a été élu pour assurer que les enseignants puissent être bien préparés pour aider les étudiants. Et le député de Durham, ce qu'elle a fait, elle a eu une consultation dans sa propre circonscription. Et Allison à Durham a dit durant cette consultation qu'elle a voyagé partout dans le monde et elle a dit que nos étudiants sont en retard de 2 ans. Une enseignante élémentaire a dit qu'elle veut qu'on retourne aux bases des mathématiques. Mary veut qu'on ait un curriculum, un programme scolaire avec lequel les enseignants sont confortables d'enseigner. Encore une fois, intervention du président. J'ai dû interrompre le ministre parce que, avec tous les applaudissements, je ne pouvais pas l'entendre. Non, c'est terminé. Nouvelle question. Député de Brampton-Sud. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je sais que notre gouvernement a pris toutes les étapes nécessaires pour protéger les soins à courte et à longue durée dans la province avec la saison de la grippe. C'est essentiel d'avoir des politiques en place pour assurer que les familles de l'Ontario sont appuyées. Monsieur le Président, ce soir, alors que les enfants partout dans la province vont passer l'Halloween. On ne peut pas les protéger contre manger trop de bonbons, mais est-ce qu'on peut les protéger contre la grippe? Est-ce que la ministre de la Santé peut nous en donner plus de détails au sujet du vaccin contre la grippe et à savoir comment on peut en avoir un en Ontario? La ministre des Soins de longue durée et de la Santé. Je remercie le député de sa question très opportune. La grippe peut être une maladie très sérieuse. Il est donc important de se protéger de cette maladie. La meilleure façon de le faire, c'est d'avoir le vaccin contre la grippe. Et notamment pour les enfants qui passent l'Halloween ce soir, vous pouvez aller à la pharmacie ou au bureau de santé. Moi, je me suis fait inoculer lundi. C'est très facile et c'est gratuit. Donc, le plus tôt on reçoit ce vaccin, le plus tôt on sera protégé. Question complémentaire. Encore une fois à la ministre. Je sais que la ministre a été active aux médias sociaux et a favorisé l'importance du vaccin antigrippal. À chaque année, il y a beaucoup d'hospitalisations en raison de la grippe. Les Ontariens devraient comprendre à quel point il est important d'avoir ce vaccin et à quel point la grippe peut être grave. La ministre de la Santé peut-elle nous
expliquer pourquoi avoir le vaccin antigrippal est la meilleure façon pour s'assurer de sa santé. La ministre, merci de cette occasion de réaffirmer les risques de la grippe et la nécessité de recevoir ce vaccin. En ce faisant, on se protège et on protège les êtres chers. Le vaccin antigrippal réduit l'incidence de la grippe, réduit le nombre de visites chez le médecin et même réduit le nombre de décès imputables à la grippe. La grippe peut entraîner des effets secondaires très sérieux. Nous avons pour objectif de protéger les plus vulnérables, par exemple les enfants de moins de 4 ans, des adultes de plus de 65 ans. Donc, recevoir le vaccin antigrippal constitue une excellente mesure d'assurer sa santé. Veuillez recevoir le vaccin antigrippal. C'est une excellente façon de se protéger. Prochaine question, la députée de Beaches East York. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance, des services communautaires et sociaux. La Banque alimentaire Daily Bread vient de publier son rapport annuel selon lequel 1 million de Torontois ont eu recours aux banques alimentaires au cours de la dernière année. L'utilisation des banques alimentaires est 14% plus élevée qu'en 2018 et ce chiffre est à la hausse au centre-ville, là où on a du mal à accéder aux banques alimentaires. Plutôt de s'attaquer aux véritables enjeux, par exemple l'insécurité alimentaire et la pauvreté, le Premier ministre a coupé à moitié l'augmentation prévue au programme d'aide sociale. Pendant combien de temps les Ontariens seront obligés de répondre à leurs propres besoins alors que le gouvernement apporte des compressions au détriment de nos citoyens les plus vulnérables? La ministre des Services à l'enfance et des Services communautaires et sociaux. C'est très grave. Une personne sur sept en Ontario vit en pauvreté. C'est pour ça que nous agissons par le biais du ministère du Développement économique pour que nous ayons une loi sur un Ontario ouverte aux affaires. Lors de l'énoncé économique de l'automne, le ministre des Finances nous expliquera comment nous allons effectuer une reprise économique après 15 ans de mauvaise gestion. Je vais discuter des changements à faire à l'égard de l'aide sociale pour que les gens puissent trouver un emploi et avoir accès à plus de soutien. Je me réjouis d'être ministre des Services sociaux car au cours des 15 dernières années, j'ai travaillé avec Barhaven Food Cupboard. On a fait une collecte de milliers de livres d'aliments à chaque année. Et je continue de travailler avec le Barhaven Food Cupboard et je vais pouvoir travailler avec toutes les banques alimentaires pour que ceux qui sont dans le besoin aient accès aux ressources nécessaires. Complémentaire. Année après année, la pauvreté en Ontario s'empire. Plus d'aînés ont recours aux banques alimentaires et les emplois ne vont pas les aider. 60 % des clients des banques alimentaires dépendent des prestations d'Ontario Travail et de POSPH. Pour grand nombre de ces personnes, ils ne peuvent pas travailler, donc les emplois ne les aident pas. Les troisième raison de rater un repas, c'est en raison des factures. Les gens ne devraient pas avoir faim, car ils sont obligés de se servir du transport ou payer le loyer. La ministre, quand est-ce qu'elle commencera à respecter les Ontariennes et quand est-ce qu'elle agira à l'égard de ces enjeux importants? Je m'inscris en faux contre cette question. Nous avons haussé les prestations d'1,5 % après notre arrivée au pouvoir. Nous avons un plan de 100 jours pour faire sortir les gens de la pauvreté. Il y a des soutiens supplémentaires dans plusieurs ministères et nous sommes déterminés d'offrir ces soutiens. Nous ne voulons pas que les programmes cloisonnés et désordonnés du dernier gouvernement soient poursuivis. Et en fait, ce parti d'en face avait soutenu le dernier gouvernement. Nous allons donc étudier le programme d'aide sociale dont dépend 1 million de personnes et nous allons déterminer combien de personnes peuvent être mieux soutenues. Nous accordons une importance aux banques alimentaires, mais le meilleur filet
social, c'est une société pleine de compassion et le meilleur programme social, c'est un emploi. Arrêtez la pendule. Prochaine question, le député de Peterborough-Kawartha. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question tout à fait incendiaire pour le ministre des Richesses naturelles. Nous avons eu toute une saison de forêts d'incendie. En juillet, 154 incendies brûlés en même temps qui exerçaient une pression importante sur les sapeurs-pompiers. Nous avons agi pour soutenir les premiers intervenants qui travailler 24 heures le jour. Sous le leadership de Doug Ford, nous avons fait des investissements pour offrir aux sapeurs-pompiers les outils nécessaires. Il y avait de la neige à Peterborough-Kawartha la semaine dernière. L'hiver arrive à grands pas. Le ministre peut-il nous mettre à jour concernant la situation actuelle des incendies de forêt? Le ministre des Richesses naturelles. Je remercie le député de Peterborough de sa question. La saison d'incendies de forêt prend fin aujourd'hui. Et je voudrais annoncer à la Chambre que nous avons pu éteindre tous les incendies dans la province. Je remercie les 2000 sapeurs-pompiers du Canada et de l'étranger pour avoir éteint ces incendies. Nous avons offert plus d'un million de dollars pour lutter contre ces incendies. Ce financement, qui s'ajoute au travail acharné des premiers intervenants, a permis une excellente réponse à ces incendies. L'Ontario est leader concernant la gestion des incendies de forêt. On n'aurait pas pu faire cela sans la collaboration de Parcs Canada et sans la collaboration de nos partenaires de l'étranger. Redémarrer la pendule. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. C'est une excellente nouvelle. Je voudrais également saluer les travailleurs de première ligne. Je suis obligé de mentionner le soutien des autres provinces, des autres pays qui nous ont soutenus. On n'aurait pas pu faire face à ces incendies sans cette collaboration. Monsieur le Président, c'était l'un des premiers dossiers du ministre lors de l'arrivée au pouvoir de notre gouvernement en juin. Je voudrais féliciter le ministre ainsi que son équipe de son dévouement à cet égard. Le ministre des Richesses naturelles peut-il nous donner davantage d'informations concernant le rôle clé de son ministère dans le cadre de la lutte contre ces incendies et afin de protéger la propriété des Ontariens. Le ministre, je remercie le député de sa question. Le ministère des Richesses naturelles tient à remercier tout le personnel qui a laissé ses familles, les membres du personnel qui ont laissé leur famille pour lutter contre ces incendies. Le décès d'un sapeur-pompier lors de cette saison des incendies de forêt nous rappelle des dangers de ce métier. Nous avons offert 780 sapeurs-pompiers, 3 Twin Otters, 13 hélicoptères, ainsi que d'autres avions qui ont lutté contre ces incendies. Je voudrais remercier les meilleurs sapeurs-pompiers du monde pour avoir minimisé les dégâts dans nos forêts. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, le député de Brampton Nord. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre peut-il nous donner les normes éthiques de son Conseil des ministres et quelles sont les normes concernant la conduite professionnelle? Le Premier ministre. Soyons clairs, je comprends l'orientation des députés. Soyons très clairs.
Nous avons le groupe parlementaire le plus éthique et transparent que je n'ai jamais vu en politique. Ils apportent la transparence, de la redevabilité. Ils ne font pas des accords dans les coulisses, comme c'était le cas avec d'autres gouvernements. Ils ne concluent pas ces accords dans les coulisses que vous avez soutenues. Nous avons un groupe de personnes très éthiques. Et je suis fier de dire que nous avons le meilleur gouvernement de la province depuis des décennies. Le temps imparti à la période des questions est écoulé. Un rappel au règlement, le député de Sudbury. Je voudrais vous présenter Marcus Vivar. Je n'ai pas fait sa présentation lorsque j'ai présenté son père, José Vivar. Bienvenue à Queen's Park. Rappel au règlement, le député de Niagara West. Aujourd'hui, c'est l'Halloween, donc je dis joyeuse Halloween. Et je voudrais également reconnaître le fait que c'est le 501e anniversaire du moment où Martin Luther a fait ce qu'il a fait aux cathédrales et le fait qu'il a déclenché une révolution en Europe. La députée de London Fanshawe, je voudrais souhaiter la bienvenue à Candice Chartier, PDG de l'Association des soins de longue durée. Bienvenue à l'Assemblée. La ministre des Services à l'enfance et des services communautaires et sociaux. Merci, ça me fait plaisir de prendre la parole et de reconnaître un travailleur de première ligne de la ville d'Ottawa et mentor de la communauté somalienne, mon ami Abdou Rabi. Merci de votre service. Conformément à l'article 38A du règlement, la députée de Davenport s'est dit mécontente de la réponse qui lui a été donnée par la ministre de l'Éducation concernant les compressions au financement de l'éducation. Cette question sera débattue ce soir à 18h. Nous avons un vote différé sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 4, loi concernant l'élaboration d'un plan sur le changement climatique prévoyant la liquidation du programme de plafonnement et d'échange et abrogeant la loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone. Convoquer les députés, sonnerie d'appel de 5 minutes.
Members, please take their seats. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le 30 octobre 2018, M. Phillips a proposé la troisième lecture du projet de loi 4, loi concernant l'élaboration d'un plan sur le changement climatique, prévoyant la liquidation du programme de plafonnement d'échange et abrogeant la loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone. Tous ceux qui sont pour la motion se lèveront et attendront être nommés par le greffier. Tous ceux qui sont contre la motion se lèveront à attendre d'être nommés par le greffier. Mr. Tavis. Madame Gelinas. Madame Gelinas. Ms. Singh Brampton Center. Ms. Singh Brampton Center. Mr. Vantaugh. Mr. Vantaugh. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Mr. Nadishad. Mr. Nadishad. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Shaw. Ms. Shaw. Mr. Mamakwa. Mr. Mamakwa. Mr. Yard. Mr. Yard. Ms. Karpoche. Ms. Karpoche. Ms. Shermanta. Ms. Shermanta. Ms. Lindo. Ms. Lindo. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Ms. Stiles. Ms. Stiles. Mr. Kernahan. Mr. Kernahan. Mr. West. Mr. West. Mrs. Stevens. Mrs. Stevens. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Singh Brampton East. Mr. Singh Brampton East. Ms. Andrews. Ms. Andrews. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Birch. Mr. Birch. Ms. Burns McGowan. Ms. Burns McGowan. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Ms. Bell. Ms. Bell. Mr. Glover. Mr. Glover. Ms. Morrison. Ms. Morrison. Mr. Ricosta. Mr. Ricosta. Mr. Harding. Mr. Harding. Ms. Monteith Farrell. Ms. Monteith Farrell. Mr. Hassan. Mr. Hassan. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Ms. Wynn. Ms. Wynn. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Madame DeRozier. Madame DeRozier. Mr. Schreiner. Mr. Schreiner. Oui, 74, non, 42. Mais oui étant 74, mais non étant 42, je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu que le projet de loi soit adopté et s'intitule selon la motion. À l'ordre. Le député de Guelph invoque le règlement. J'invoque le règlement. Je demande le consentement unanime pour déposer une motion concernant l'urgence de l'action sur le changement climatique concernant le biais des députés numéro 28. Le député de Guelph demande le consentement unanime pour déposer une motion concernant le débat du biais des députés numéro 28 concernant l'urgence de l'action du changement climatique. J'ai entendu un non. Les travaux de cette chambre sont suspendus jusqu'à 15 heures.